Et bonjour tout le monde, c'est Tepsedo et nous voici pour jouer à un jeu Hammerfest de Motion Twin. Et du coup, vous nous présenter Hammerfest des dimensions parallèles, un petit jeu de plateforme bien sympathique. Et j'aurais voulu vraiment vous de bien le présenter, mais malheureusement, j'ai perdu mon compte. Donc, du coup, ça va être compliqué, j'avais pas du tout les mêmes pseudos ni des. Bref, c'est un peu de merdier. Du coup, voyons la petite intro. Donc, un sorcier maléfique. Des fruits. La corruption. Des petits fruits. Mais malheureusement pour lui, cette dernière petite action sera sa perte. Et donc, nous voici pour deux jeux. Si t'as mis la brute, etc. La brute, vous l'aurez bien présenté, mais j'ai aussi perdu mon compte. Donc, bon. Par contre, j'aurais peut-être une présentation relativement rapide de Horde. Parce que c'était quand même un jeu de mon enfance aussi, ça. Bien sympatoche. Donc la vidéo va être relativement courte, mais sinon c'est vraiment un petit jeu de plateforme assez rapide, dont tu fais des trucs dont les parties se passent vraiment très rapidement. C'était vraiment la petite pause. Donc le but est de descendre le plus possible, niveau par niveau. Il semble y avoir des speedruns de jeu. Ah, un ennemi. Il faut vaincre tous les ennemis. Mais comment faire? Et bien, en utilisant la barre d'espace, on les gêne. Et une fois que c'est gelé, vous avez vu, ils sont balancés à un endroit. Et ils sont éliminés. Vous pouvez obtenir des bonus en tuant des ennemis. Je crois que si je me rappelle bien, il y a pas mal de petits secrets du style en éliminant dans certains niveaux certains ennemis en premier ou etc. Ou en allant dans certains endroits, vous pouviez avoir y trouver des comment ça s'appelle, ça va pas des bonus de souvenirs. Oui, bah là, du coup, à plusieurs fois pour essayer de pousser. Hop. Comme vous pouvez le voir, la glace fond petit à petit. Pouvez pousser vos bombes comme ça nous permet de. Hop. Tout simplement. Et évidemment là j'ai passé le petit bonus. Et on y va. Je suis pratiquement sûr que si j'étais allé à la place de l'autre, j'aurais pu. Donc ça, et ben, et ça, c'est voilà. Je me souviens pas, vous pouvez faire pousser plusieurs fois voilà, la bombe. Ça peut aider. Ah, des dragons. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ce truc là aussi. Hop.
Et bam! Vous pouvez tirer un tout petit peu plus haut. Vous pouvez aussi utiliser ça pour sauter. Du coup, si vous sautez plus haut, vous sautez plus loin. C'est une sorte de double saut, entre guillemets. Ah, première bombe qui va nous impacter. Et elle sera nécessaire pour débloquer, enfin pour essayer de trouver certains secrets. D'accord. Donc soit je le fais sauter de en haut, soit je le fais sauter d'en bas. Voilà. Ah, celui-là, il aurait va être comique. Ouais, là, j'aurais pas raté le premier truc, je l'aurais eu, mais là. Donc, il faut attendre la sortie de ce niveau. Donc, c'est la fin du tuto, s'il me rappelle bien. En tout cas, on s'y approche. Un niveau puzzle. Après, tu me diras, tous les niveaux sont un peu puzzle, vu qu'il faut déterminer qui est quoi. Ah, bah voilà, ça. Déjà, il y avait des secrets dès le premier niveau de l'apprentissage. Dès le premier. Et donc normalement là c'est fini. Ah non, un petit avant-goût. Ah, on va avoir des scores et nous avons des vies. Tiens, je me rappelais plus. Non, plutôt y aller comme ça. Hop. Alors ça, je me rappelais très bien qu'il y avait des trucs qui n'arrêtaient pas d'apparaître comme ça au fur et à mesure. Et donc du coup en fait si vous voulez trouver des secrets vous faites ça partout tout le temps à jamais. Mais par contre il me rappelle on a une limite de temps. Donc voilà, vite. Donc allons-y. Ouais, je crois que les nombres de quêtes, les quêtes devaient être des trucs du style, bon bah évidemment, des trucs évidents du, comment ça s'appelle, atteigner un certain étage ou tuer un certain nombre d'ennemis, des trucs comme ça. De ce que je me rappelle. Il y a un certain score. Blablabla. J'ai jamais réussi à atteindre les 320 niveaux, dont vous avouez. Ah, je peux pas passer à travers. Bon, tant pis. Alors là, ça va être un peu rigolo parce qu'il faut deux poussées sans se. Sans se, quand ça peine, mettre dans une position rigolote. Mais oui, c'est bon, je me dépêche. Hop. Oh putain, ça me rappelle que c'était chiant. Comme ennemi. Hop là, sans doute qu'il y avait des secrets par-ci par-là. Ah, et voilà. Et donc nous avons fait, en plus d'apprentissage, 6 niveaux sur les 300 quelque chose. Et ça, c'était sympathique. Bon, il est un peu tard au niveau de, comment ça s'appelle, du temps pour le faire. Donc, même si je me connectais là maintenant, je pense pas que là j'aurai le temps de le faire. Donc, bah, j'ai pas recréé de compte pour ce jeu sympathique. Par contre, du coup, on va essayer de voir quel était donc le secret. Parce qu'il n'y avait pas de petit guide dans ce jeu-là. C'était vraiment un jeu de plateforme bien sympathique.
Du coup, c'est premier niveau, c'est ici, c'est ça? Un raccourci, mais qui va nous mener vers où? D'accord. En soi, c'est pas tant un secret que juste un passé de tuto. Mais en même temps, c'est un tuto en soi pour les secrets. Tiens, qu'est-ce qui se passe si on essaye de tomber avant? Ah d'accord, on meurt. Et qu'est-ce qui se passe si on... C'est quoi le game over déjà? Ah, ils ne mettent pas. Sans doute que j'aurais eu un écran de... Comment ça s'appelle? Un écran de fin qui mettrait de souvenirs qui met des objets qu'on a ramassés, tout le tralala. Bon, bah du coup c'était la démo et une présentation plus que rapide des cavernes de Hammerfest, les dimensions parallèles. Un bon jeu de plateforme et donc j'ai oublié mon code et mon mot de passe. Ce que j'avais mis pour celui-là. Bon, c'est pas grave, du coup. Salutations à tous, à la prochaine. C'était Hammerfed de Motion Twin qui, j'espère, va être sauvé parce que putain, qu'est-ce que c'était bon comme putain de jeu. Allez, à plus!